Salut, salut! Bienvenue à ma chaîne YouTube! J'espère que vous allez bien. Olha só, essa mensagem rapidinha aqui para te dizer que no conteúdo de hoje eu vou falar 100% em francês, vai ter legenda para você me acompanhar. E durante os próximos 30 dias eu vou trazer você para o meu cotidiano. Cada dia eu vou mostrar uma coisinha nova que eu faço e vou fazer isso em francês para você treinar sua escuta e aproveitar e aprender bastante comigo. Alors, c'est parti, on y va! Aujourd'hui, la vaisselle. Aujourd'hui, notre thème est la vaisselle. C'est parti! Bonjour, bonjour. Après le premier cours d'aujourd'hui, je vais m'occuper de cette cuisine, de la vitamine C. La cuisine est un peu dans n'importe quel état et je dois tout d'abord sortir la vaisselle du lave-vaisselle. Alors, vous allez m'aider? Bon, j'ouvre les placards. Ça, ce sont des placards de la cuisine. Je vais ranger les verres. Alors, ça, c'est un verre. Je le range dans le placard à verre de la cuisine avec une seule main parce qu'avec l'autre, je filme. Mais c'est parti. Ça, c'est un bol. D'ailleurs, ça, c'est un bol typiquement breton du nord de la France. Vous voyez, il y a le nom de Théo. Théo. Et ça, c'est une élève, très chère élève, qui me l'a offert. Qui l'a offert à Théo, en fait. Caro. Et ma mère, elle est même chez elle. Encore des verres, des verres, des verres en verre. Ça, c'est un drôle de mot en français. Parce qu'un verre, c'est cet objet. Mais le matériel, c'est du verre aussi. Et cette couleur s'appelle vert. Oh! Je vais même tourner cette caméra. Est-ce que j'arrive à... Ah! J'arrive pas. Si. Voilà! Alors, vert. Vert, vert, vert. Plein de choses qui s'appellent pareil. Et il y a même un petit animal dégoûtant qui s'appelle vert aussi en français. Donc, c'est un de ces mots assez drôle de la langue française. Bon, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ça, un poêle. Un poêle. On utilise souvent le matin pour faire des œufs. Le matin, je le range ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir dans le tiroir. Ça, c'est un tiroir. Des assiettes. Des petites assiettes que je vais mettre dans le placard à assiettes. Encore un verre, mais en fait c'est un verre tasse. J'adore ce verre, c'est comme un... Il est transparent et il est fait de deux couches de verre. Et comme ça, tu ne te brûles pas et tu peux prendre des choses chaudes. Ça, c'est un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, un espèce de bol. Hop, je vais mettre là. Aïe. Et, quoi encore? Je retourne la caméra, ça va être plus simple. Et là, j'ai des petites tasses de café, encore un truc en tupperware, des bols, couteaux, fourchettes, cuillères, couteaux, petits couteaux, etc. On va faire comme ça. Je vais vous poser là, pendant que moi, je range. Comme ça, je vais aller un peu plus vite. Aujourd'hui, quel est le planning de la journée? Aujourd'hui, c'est le premier jour où je vais faire une vidéo par jour pour YouTube. Je vais essayer un peu ce format où j'enregistre un moment de mini-blog. Vous allez me dire si vous aimez. Je monte un peu cette caméra parce qu'elle me coupe. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, après, tu dois me dire si tu aimes ce style de vidéo. Mon idée, c'est de parler un peu librement et de te faire écouter plus de français. Je pense que ça peut t'aider. Tadam ! Un morceau de fouet, c'est pas un fouet entier, il manque un morceau. Mais c'est un petit fouet que j'aime bien, donc je ne l'ai jamais jeté. Alors, maintenant ça, je vais mettre dans le tiroir qui est ici. Une fois que j'aurai fait ça, hop, une fois que j'aurai fait... Tout rangé, je vais mettre ce qui est sale dans la machine et allumer la machine. Mettre du savon, etc. Hein. Faire tout ce qu'il faut.
Il y a des jours comme ça, comme aujourd'hui par exemple, où je me lève un peu à la bourre. Se lever à la bourre, ça signifie se lever rapidement, se lever presque en retard, en courant. Et le truc, c'est que je prends mon petit déjeuner tellement vite qu'après, j'ai envie de reprendre un café. Mais heureusement que Paolo me fait rappeler que non, t'en as déjà pris un. En plus, comme il fait froid aujourd'hui, c'est l'hiver ici. Au Brésil, ça me donne encore plus envie de boire quelque chose de chaud. Voilà, maintenant, hop, je vais mettre tout ce qui est sale dans le... Je ferme le Tupperware. Je vais ranger tout ce qui est sale dans le lave-mâche, dans le lave-vaisselle. Vaisselle, en français, c'est un mot qui signifie tout ce qu'on utilise pour manger. Genre ça, c'est de la vaisselle, ça, c'est de la vaisselle. Non, ça en fait, non, je me trompe. Ça, c'est des couverts, une fourchette. La vaisselle, c'est normalement plutôt en porcelaine ou en verre. Mais ce sont les ustensiles qu'on utilise pour manger ou pour faire la cuisine. Et pourquoi je vous raconte ça? Ben, pour apprendre un peu de vocabulaire aussi. Normalement, c'est moi qui fais le petit déjeuner, Paolo qui range. Mais aujourd'hui, on a fait le contraire. C'est Paolo qui a fait le petit déjeuner, c'est moi qui range. Vous faites ça aussi dans vos familles? Vous vous organisez comme ça? Un fait, l'autre range. Un autre poêle. Toutoutou. Et là, le filtre à café, il faut que je jette. Je vais jeter ce qu'il y a à l'intérieur dans la poubelle. Hop. Je mets le filtre à café dans la machine. Qu'est-ce qu'il manque? Une autre assiette. Et c'est parti. Je pense que j'ai tout mis. J'ai tout mis. Ouais, maintenant je fais juste. Il manque ça. Il y a ça. Du savon pour le lave-vaisselle. Et alors ça, je vais te raconter un secret. Paulo, il me fait mettre très très peu de savon parce qu'il dit. Et alors je me dis que ça va durer des années si je mets si peu, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il dit que si on en met trop, ça peut abîmer la machine. J'ai fermé la machine et je vais te prendre avec moi pour que je te montre un peu comment je fais pour l'allumer. Voilà, je viens de fermer la machine. Là, tu vois mon reflet ici. Ouhou, coucou. Et il y a des boutons. Donc, premièrement, j'appuie sur ce bouton-là pour l'allumer. Puis ensuite, je dois choisir le mode de lavage. Je vais faire express parce que il y a très peu de choses et c'est pas très sale. Et voilà, j'allume et elle se met en route. Se mettre en route, ça signifie s'allumer. Et voilà, donc on a passé quelques minutes ensemble. J'espère que cette vidéo va bien marcher. Et j'espère surtout que tu puisses me dire ce que tu en penses de ce style mini-vlog, petits instants français comme ça. Je vais essayer de produire 30 jours d'affilée de vidéos. Et je compte sur toi pour me dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, d'accord? Bisous, au revoir, à bientôt.